Hello les gens, j'espère que vous allez bien, ici Ratchet de Full Game Record, bienvenue aujourd'hui dans ce nouvel épisode dédié à cette série de Let's Play sur Judgment. On s'apprête à poursuivre l'aventure, mais avant ça on va aller manger un sandwich. On est juste, on est devant un restaurant, le Wild Jackson, le Buffalo Wings. Et pour aller récupérer un petit peu de vie, et ensuite on continue. Irashaimase. Oh, j'aime bien quand c'est les personnages féminines qui le disent, elles sont trop kawaii. Alors, bienvenue monsieur, très bien, qu'est-ce qu'on va me rendre? Ah, ok, c'est des burgers. Alors, on a quoi? On a du poulet épicé, un burger, burger à l'avocat. Ça a l'air pas mal aussi. Sandwich au poulet. Et poulet frit du Wild, d'accord. Bon, bah écoutez, on va prendre le burger à l'avocat. Et une petite boisson, un jus d'orange. D'accord. Acheté. Confirmé. On va voir quand il va manger. Itadakimasu. D'accord. Donc burger à l'avocat, c'est parfait. C'est exactement les mêmes gestuels que Kazuma Kiryu. Ça a été repris directement des anciens épisodes. Alors, je voulais vous montrer en fait tout simplement comment utiliser le téléphone. Donc, il suffit tout simplement d'appuyer sur le bouton Start et vous avez accès en fait à votre téléphone portable. Vous avez donc au niveau des dossiers les quêtes principales, les quêtes secondaires et les objectifs. Donc, on peut naviguer avec RB ou LB. On a ensuite l'inventaire pour voir tous les objets dont on a besoin, enfin tous les objets qu'on a acquis. Là, par exemple, on a des objets de valeur, des objets clés. Comme il nous stipulait au début de l'épisode, enfin au niveau de l'épisode 1, pardon, pour ce qui est des objets importants à remettre à certains PNJ pour terminer certaines quêtes. Donc, Doroyaki, l'assortiment qu'on doit livrer. On a bien sûr les déguisements. Pour l'instant, on a notre tenue de base. Ensuite, les raccourcis, pour l'instant, il n'y a rien. J'ai pas du tout avancé. Hein. On a repris directement là où on s'était arrêté. Ensuite, on a les aptitudes. Donc là, vous avez des aptitudes générales pour tout ce qui est santé, amélioration des dégâts. Donc on a amélioration de santé, amélioration des dégâts, boost de vitesse, augmente la vitesse du combo, ça c'est pas mal. On a style du tigre, Yagami sera moins vulnérable aux attaques ennemies, ça c'est pas mal pour augmenter la défense. Pilier de barre renforce votre tolérance à l'alcool, ça évite de prendre des cuites rapidement. C'est à prendre. D'ailleurs, il fait combien? 100 PA, voyons voir, on va peut-être pas le faire maintenant. Je vais voir les aptitudes au combat. Ensuite, on a les aptitudes au combat, donc tout ce qui est coups spéciaux. Alors là, c'est juste la traduction qui était mauvaise. Hein. Vous permet d'arrêter une attaque mortelle. En fait, c'est d'exécuter une attaque EX, comme ils le disent, en appuyant sur Y après avoir sauté sur le mur. Là, on a une soumission, donc avec B. Et ici, on a la possibilité de sauter sur un adversaire lorsqu'on court. Donc, appuyez sur A tout en courant vers l'ennemi. Ensuite, on a tout type d'attaque. Appuyez sur Y tout en courant avec A. Donc, bondissez sur un ennemi pour le déstabiliser. Cette page-là concerne uniquement les aptitudes contextuelles à faire avec les murs. Voilà, donc il y en a vraiment une pléthore à débloquer. On peut aussi la boxe de l'homme ivre, un peu comme le Drunken Master de Jackie Chan. Si vous n'avez pas vu le film, je vous invite à le regarder, il est absolument incroyable. Enfin, et ensuite on a les aptitudes spéciales. Donc en écoutant des disques, le joueur regagne progressivement de la santé, c'est pas mal. Vibre quand elle ouvre sur Vobble une zone cachée en mode recherche. Bon, alors ça, je vais les prendre. Intuition, ça a l'air pas mal. Sachez systématiquement quelle clé utiliser sur les portes que vous avez déjà ouvertes. On va le prendre aussi. On va prendre des trucs vraiment qui coûtent pas très cher. Les fils se cassent moins en forçant à attaquer. Pourquoi pas. Ensuite on a destructeur silencieux. En filature, les cibles sont moins susceptibles de remarquer si vous cassez quelque chose. En PC, la jauge de prudence, de rapidement monter. Donc ça c'est pour ce qui est filature. L'exploitation de l'appareil photo aussi. Rallonger légèrement le délai de l'appareil photo lors des missions photo, c'est peut-être pas mal. Alors vous avez beaucoup. Alors vous aurez beau saccager un magasin, vous pourrez y faire vos emplettes comme d'ordinaire. Alors ça c'est important. Parce que sinon on sera
blacklisté du magasin en fait, donc voilà, on préfère être tranquille. Alors celui-ci, cœur tendre, renforcez vos rapports avec votre petite amie quand vous lui faites un cadeau. Ok, donc il est possible d'avoir une romance, c'est cool. Renforcez vos rapports avec votre petite amie quand vous échangez des textos, d'accord, ok. Donc tout ça concerne la romance. Le frigo inaccessible pour l'instant augmente la capacité des transports et des objets de récupération. Alors voilà, il y a vraiment plein de choses à débloquer. On va le faire petit à petit. Hein. Ensuite, on a le drone qui est pour l'instant locké. On a le Kamurogo, donc qui regroupe en fait toutes nos statistiques, toutes les quêtes qu'on a réalisées, toutes les quêtes secondaires, les différents défis aussi qu'on a réalisés. Il y a différents défis à faire. Vous allez voir qu'au niveau des magasins, par exemple, voilà, vous avez différents défis. Par exemple, prendre un mocha, un Blue Mountain, un café, ça nous donne à chaque fois des PA. Donc des points de compétence, hein, je sais pas ce que veut dire PA, mais pour moi c'est des points de compétence. Voilà, donc en fait il y a plein de défis à faire. En allant manger par exemple, vous débloquez des points de compétence qui vont nous aider bien sûr à améliorer les diverses habilités, les diverses attributs. Et là pareil, vous avez des défis. Alors les défis amicales, pareil, c'est des défis qu'on va réaliser avec les différentes... avec les différentes personnes de Kamurocho. Donc voilà, il y a vraiment une pléthore de choses à faire, faire du vélo, enfin photographier, etc., etc. On essaiera de débloquer ça au fur et à mesure. On a ensuite la carte qui regroupe un petit peu tous les éléments importants, tous les lieux importants. Et enfin, bien sûr, la caméra si vous souhaitez prendre des photos. Voilà, donc pour le menu téléphone. Et on poursuit donc notre aventure. Est-ce que je peux courir comme ça? Oui. Vous voulez vous battre? Eh bien, un petit combat. Ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas de temps de chargement entre les combats. Oula. Ok. Ok. On a gagné 18 PA. Ok, donc les combats sont importants quand même. Même si au bout de quelques heures, ça devient un peu barbant, je vous l'avoue. Surtout quand on a déjà joué aux précédents épisodes. Mais voilà, c'est l'essence même du jeu. Hein. Donc on va pas se plaindre. Et je trouve que la ville est extrêmement bien retranscrite. En tout cas, si vous avez l'habitude de jouer aux anciens épisodes, vous n'allez pas être perdu au niveau de celui-ci. C'est même plutôt... Alors, encore une scène de combat. Boum. Ok, sur la bagnole. Ouais, pas mal. Franchement stylé. On va récupérer la batte là. Et on va récupérer la batte, on va essayer de le taper avec. Franchement, formidable le jeu. Il est juste formidable. On va récupérer le pognon là. N'écrase pas mon pognon. Parfait. Et c'est parti. よ、沙織さん。これ、どら焼きね。限定もんだって。源田法律事務所は俺の古巣だ。3年前に辞めて以来、顔ぶれは少し変わった。どうも、八神さん。星野君、どう？ここはもう慣れた？ええ、皆さんよくしてくれるんで。 優秀なんだろう？司法試験でもトップクラスだったって？ならもっと大きな事務所でも行けたろう。いや、なんてこと言うんですか？聞こえてるぞ、八神。
源田先生どうも俺には生みの親を入れて親父と呼べる人が3人いるこの源田先生もその一人俺が弁護士になる前からこの事務所で働かせてくれた新谷先生はどちらに夕方から見てねんなまあちょうどよかったじゃねえか顔合わせずに済んでえお互い嫌いだろお前らどっちも相手をバカだと思ってるからよまさか尊敬する兄弟子ですよそれをバカにするなんてうちの仕事が欲しければあいつともうまくやれよお前はもっと先輩に敬意を払ってだなあ、源田先生どら焼きどうです先生なら絶対気に入ると思ってあ？あれ全部言っちゃった？半分なら残ってます。Très bien, donc demander du travail. Parfait. Bah écoutez, on va essayer de demander du boulot. En tout cas, les cinématiques sont toujours aussi drôles et toujours aussi bien travaillées. なんか仕事ありませんか、源田先生。仕事な。そもそもお前、いつまで探偵なんか続けんだ？こんな危なっかしい町で。平和な町じゃ仕事になりませんよ、探偵は。借金の取り立てが探偵の仕事か？まあ、仕事がないよりはいいかと。そりゃ探偵じゃねえだろう。何でもやだ。もともとそんな感じで始めた家業ですから、俺の場合。なあ、八神。はい？お前もう弁護士に戻る気はねえのか？ありませんね。どうしてもかよ。見てください。俺のこの目、うん、こいつは人が善人か悪人かまるで見分けられないんですよそんな奴に弁護士なんて任せちゃダメです3年前の件ならあれはお前のせいじゃねえぞあれはお前が優秀な弁護士だからこそ起きた事故だ事故だとしても俺はあんなの二度とごめんなんですよ仕事ないですか先生暇にしてるとあの日のこと思い出すんですエミちゃんの遺体が目に浮かんで、うんうん、だから何でもいいんでずっと忙しくしてたいんです離婚裁判の証拠集めは例によってラブを張り込んで証拠写真を撮影それから尾行とゴミ漁りだやるかいいですねもちろん喜んでお手上げだな後で資料送っとく次来るときは手土産いらねえぞ金が余ってしょうがないって時だけ持ってきてくれ了解ですTrès bien, ah bah écoutez, on est parti. Pour quitter l'UE, est-ce qu'on peut leur parler ? Non. Genda Horis Jimisho des. Eh ? Eh, imas. Wakarimashita. Yagami-san, Shintani-sensei kara. Hmm ? Saiban no shoko atsume o tanomitai sou des. Satsujin jiken no. Koroshi no ? Nanda yo. Uchi ni sonna anken atta ka?いいえ、私も今初めて聞きました。八神、さっきの離婚裁判は忘れていい。新谷を手伝ってやってくれ。殺しの弁護なんざうちも3年ぶりだ。新谷先生、太平通りのバーにいるそうです。すぐ来てほしいと。太平通りのバーって、テンダー？そうです。バーテンダー。Ok, donc rejoindre le tender.
qui est excellent, c'est qu'il n'y a aucun temps de chargement. Hein. C'est vraiment... Alors, on va regarder la map. On va voir où se trouve le Thunder. Il se trouve ici. Ouais, on peut même mettre un petit GPS si on veut. Viens, si je peux taper avec les... Non, je peux pas. C'est ouf, il me tape quand je lâche la garde. Alors, les sauts muraux, donc saut mural en courant vers le mur avec A, vous pouvez réaliser une manœuvre spéciale qui vous permet d'éviter presque toutes les attaques. Très bien. Frappe murale, vous pouvez même attaquer lors d'un saut mural, vous pouvez ainsi infliger des dégâts aux ennemis normalement invulnérables et effectuer certaines actions EX. Donc X, Y et B durant un saut mural, dosant Y et B à apprendre dans l'appli Aptitude. D'accord, donc on a déjà lu ce petit didacticiel. Le vélo et on va les squinter avec ça. Alors, il y a la possibilité aussi d'acheter dans des distributeurs, je sais pas s'il y en a ici, des plats à emporter, comme des boissons sucrées, etc. Mais non, ce n'est pas le cas là pour l'instant, on peut pas. バーテンダーは20年前、俺がカムロ町で初めてバイトしてた店だ。マスターはその頃から老けてたのか、今もあまり変わってない。ターボか。奥に新谷先生来てるよ。ああ、仕事の話なんだ。また来ちゃった。あんま飲みすぎんなよ、マリネ。あの人、ターボの連れなの？ 仕事相手、今日のクライアント。うちの仕事が欲しければもっと早く来い。遅すぎんぞ。急な呼び出しに遅刻もないだろう。妙な先輩風は許してくれ。一杯飲ませてもらいます。俺の金でか。いや、源田事務所の交際費ってことで。 東条会の松金組若頭、羽村恭平。お前はよく知ってるな。今日もさっき会ったよ。羽村の頭が依頼人？ああ、逮捕された。殺人とした言い気でな。マジで？マジだよ。で、松金組からうちに弁護の依頼が来ちまったんだ。まあ、松金の組長は 裁判ごとじゃずっと源田先生を頼りにしてきたからな。でも今回は何であんたが。源田先生が俺の名刺渡してたらしくてよ。ったく、なんで俺がヤクザの弁護なんて。ご愁傷様。これからカムロ署で羽村に接見する。お前も一緒に来い。俺と違ってヤクザには慣れてんだろ。かもね。 接見の前に事件の大筋を共有しておく。
まず被害者は関西協力会のヤクザだ。一週間前、神室町のゴミ捨て場で死んでるのが見つかった。おい、その事件って。ああ、死体の目がえぐられてたって例の事件だ。警察は羽村をその犯人と見ている。でかい事件だな。今までに目をえぐられたヤクザは3人。同一犯の連続殺人なら相当注目されるはずだったんだがよ。ん？初めの2件は羽村にアリバイがあった。で、警察は3件目についてだけ羽村を犯人と言ってんだ。連続殺人じゃないと。ああ、3人死んでて全部未解決じゃ警察もカッコつかねえ。だから多少強引だろうが、今回のだけでも片付ける気なんだろう。どうせ被害者はヤクザだ。世間もうるさくは言わん。Alors, il est possible d'avoir des choix de dialogue. Alors, enchaînez les bons choix. L'intelligence est toujours récompensée. Au fil d'une conversation, vous aurez parfois à choisir la bonne réponse. Durant ce processus de réflexion critique, vous pouvez gagner un bonus de PA. Je dirais point de compétence, dorénavant, comme ça. Ça sera beaucoup plus simple. Si vous sélectionnez plusieurs fois d'affilée les bons choix, afin de réunir toutes les informations les plus rapidement et efficacement possible. Si vous faites les mauvais choix, vous perdez une occasion de gagner ce bonus de PA. Quand vous avez la possibilité de gagner un bonus, le nombre de réponses s'affiche en haut à droite de l'écran. Le nombre d'étoiles affichées représente le nombre de bons choix dans cette sélection. D'accord, donc il est possible qu'il y ait 2 bons choix. D'accord, je comprends. Alors là, il y en a 2. Un meurtre dont auteur et victime sont des Yakuza. Pas le temps de traîner, je dois aller au cœur de cette affaire. Alors, Amura l'a-t-il vraiment tué? Pourquoi la police a-t-elle arrêté Amura? Et qu'a dit Amura à ce sujet? Un meurtre dont auteur et victime. Amura wa jiken no koto nan te itten da? Yatte nai to itteru sou da. Keisatsu no iigakari da tomo na. Ja muzai o shuchou suru tte koto ka? あんたどう思う？そんなのわからねえし、どっちでもいい。依頼人が無罪を主張するなら、俺も法廷でそうする。それが弁護士の仕事ってもんだ。D'accord, bah écoute, on va partir sur celle-là. 警察がハムラを逮捕した理由は？理由は二つ。被害者は神室町に進出してきた関西ヤクザで、もう何ヶ月も東条会と交渉している。となると十中八九殺したのは東条会系列のヤクザだ。で、羽村もその一人。もう一つの理由は？事件当日、羽村は被害者と口論をしていた。事件前に被害者と喧嘩してたからってことか。Très bien, on arrive à la fin de la conversation. もう十分分かったよ。そろそろ店を出よう。先に行っててくれ。俺は何本か電話かけてから行く。神室署までタクシーで行っていい。分かった。Parfait. Donc on a gagné un petit bonus, hein. On n'a pas gagné le full, mais on... voilà. Quelques points de compétences, ça ne se refuse pas. De nouvelles infos ont été ajoutées au dossier. Meurtre en série Kamurocho, suspect potentiel. Et meurtre en série Kamurocho, scénario de l'affaire mis à jour. On va regarder les détails. Donc, voyons voir. D'accord, donc on a les détails de l'affaire. On a aussi... toutes les informations liées au suspect, mais je ne pense pas que ce soit lui, hein, bien entendu. Et on a les détails sur l'affaire. Franchement, c'est... Et j'imagine qu'il y aura certainement des questions par rapport à ça dans les... dans les quêtes qui vont arriver. Alors, les dossiers, il y a vraiment une pléthore de choses à voir et à lire. Les faits, rien que les faits.
Alors, l'appli des dossiers installée sur le téléphone de Yami trie et organise automatiquement les informations. Consultez cette appli dès que vous ne savez pas quoi faire. L'appli dossier est particulièrement utile quand vous voulez progresser dans l'intrigue. Elle vous permet également de vérifier ce que vous avez à faire pour les affaires secondaires. D'accord, ce que vous avez à faire pour les affaires secondaires. Donc, affaires principales, vous pouvez consulter les protagonistes, les preuves et les détails de l'intrigue principale. Dès qu'une catégorie de l'affaire principale est mise à jour avec un point d'exclamation, s'affiche à côté. Et pour les affaires secondaires, vous pouvez consulter les protagonistes, les preuves et les détails concernant les différentes affaires secondaires. Dès qu'une catégorie d'une affaire secondaire est mise à jour, un point d'exclamation s'affiche à côté. Parfait. Bon, bah écoutez, on a tout compris. Donc là, si on va dans dossier, on a l'affaire principale avec le personnage, les détails et éventuellement les preuves qui l'inculpent. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc on va rejoindre le poste de police de Kamurocho. On va le voir sur la map. Ok, on va prendre le taxi, donc on va quitter carrément le quartier. On va aller où? Ouais. On va aller là, c'est plus rapide. C'est plus rapide. Et puis ensuite, on fera autre chose. Par contre, j'ai bien envie de taper un sushi là rapidement avant de partir. Il se peut qu'on se batte pour avoir assez de vie. Allez, on se fait une petite bagarre là rapidement. Alors lui, hop, il a la rage, on va courir. Allez, on peut le taper comme ça. C'est le coup qu'on a débloqué tout à l'heure. Alors, voyons voir ce qu'il y a. Bol de thon spécial, bol de shirashi aux fruits de mer. Ça coûte une blinde aussi. Hein. Ton zanmani, spécialité de sushi zanmai et kokoroiki. Je vais prendre le moins cher en fait, tout simplement. Bol de shirashi aux fruits de mer. Voilà, là on est. Alors on continue. On va prendre le taxi pour le commissariat. Et pour l'instant j'ai pas vu de distributeur. Ah, il y a un distributeur ici. On va voir si on peut acheter des trucs. Non, c'est bizarre. Dans les anciens Yakuza, c'était possible. Je pense pas qu'ils aient enlevé ça, mais... Bon. Allez, on va prendre le taxi. Alors, Tenkaichi Street, poste de police de Kamurocho. Yo, konya wa yoku au na, Tabo. Warate mo ii nda ze. Hamura-san. Genda Hōritsu Jimusho no Shintani desu. 組の方からご依頼を受けまして。ああ、頼りにしてるぜ、新谷先生。まあ、俺らも仲良くやりましょうや。うちの親父と源田先生みてえに。ああ、そうですね。
では早速ですが、いろいろ聞かせてください。話の裏取りや調査はこちらの矢神が進めます。それは頼もしいな。よろしくどうぞ。逮捕の理由は殺人ということでしたが、そのお心当たりはあるんでしょうか。ああ、お心当たり、実際に頭がやったのかってことです。どうなんです。やってようがなかろうがよ、お前らの仕事は俺をここから出すことだ。違うか。違いますね。俺はもしあんたがやったって証拠を見つけたら手を引くのか。いや、それを検察に渡してあんたをムショに送らせます。ふざけんな。てめえは殺人鬼だって無罪にしたんだろうが。おい八神。3年前、少なくとも大久保新平は無実の可能性が高かった。だから俺も信じることができた。でもその後大久保は恋人を刺して火までつけたじゃないか。ターボ、あん時お前は無罪取るって手柄に目がくらんだんだよ。だから人殺しかもしれねえって男を野放しにしただろ。正直に言えよ。疑わしきは罰せずですよ。なら焼き殺された娘の親にもそう言ってみろ。それができねえから逃げたんだろ、弁護士って仕事からよ。事件の話に戻したいんですが、構いませんか。ああ、いいぜ。お前もいいな。Alors, je pense que c'est à moi de jouer là. Regarde, tu te dis que tu es. Je suis très bien. Eh, déjà. Mazu Higaisha, Kyore Kai Kumin de Namaiwa Kumetoshiro, Nenlewa Sanjuyon. Juniga Tsuyoka no Socho Rokuji. Gomi Stevani, Steiner to Kakto Bantu Honga Arimasta. Jiken Maini Kashira Higaisha to Mometita Sodisne.ああ、警察は何か言ってませんでしたか。他にも頭を逮捕するだけの証拠があるとか。そんなもん俺にわかるわけねえだろ。なあ、新谷先生。ええ。ただ警察にどんな証拠があるか、今の時点では弁護士にも開示されません。起訴前は羽村さんの話だけが我々の頼りでして。そうかよ。それじゃ八神、お前から羽村さんに聞いておきたいことは。Alors là, on a trois bonnes réponses. Altercation avec Koumé au sujet de la réponse policière, au sujet de la victime. カシラのアリバイはどうなんです。まず被害者の死亡推定時刻は深夜2時から3時の間らしいな。その頃どこにいたって取り調べでしつこく聞かれた。実際どこにいたんです。サウナだ。カムロ町のサウナ御殿。朝までずっとな。ただしそれを裏付ける証拠証言はなしですよね。あれば今頃逮捕されてない。そういうことだ。ふざけた話だがよ。Alors, on va aller sur altercation avec Koumé au sujet de la réponse policière, au sujet de la victime. Au sujet de la victime. Higaisha no Mimoto wa tashika Kume Toshiro, 34歳, Kyōrei Kai no shitappa da. Kume wa Kamuro-chō ni hitori de itan desu ka? Kōsō chūu no Kansai Yakuza ga tekichi de hitori kiri tte koto wa. Ah, mou hitori tsure ga ita. Yarou no aniki bun daro ga, namae wa shiranei.協力会の人間は合わせて2人か。こっちは俺を入れて松金組が5人いた。Et je dirais la troisième altercation avec Koumé, en espérant que ce soit la bonne. Ouais. どこで揉めてたんです。スポン通りに
アムールってクラブがある。その店先だ。俺は組の若いもん連れてた。その時に強烈会と睨み合いになってよ。ああ、そいつが組って野郎だった。喧嘩ふっかけたのは頭の方から。ああ、関西の下っ端にでかい顔されたんじゃメンツが立たねえ。それに俺もまあまあ酒が入ってた。それは何時頃です？9時過ぎだ。久米と睨み合いになった後はそれで終わりですか？いや、野郎が逃げようとしたのを捕まえてよ、アムールの中に引きずり込んだ。は？いや、口論って聞いてましたけど。じゃあ、羽村さんは大勢で被害者を拉致した？ああ、アムールはうちの組でケツ持ちやってる店だ。で、中にいた客は全部返してよ。しばらく久米に焼き入れてた。ただ殺しちゃいねえ。その後奴は裏口から叩き出してやった。俺もそのまま店を出た。12時よりは少し前だ。なるほど。すると被害者はあんたらに無理やり拉致され、朝には目をえぐられてた。俺が警察でも頭を逮捕しますね。On va voir si j'ai de la réponse policière. C'est une ligne de dialogue à faire aussi, pourquoi pas. 警察でこの事件担当してるのはなんて刑事です？カムロ署、組対の黒岩だ。新谷先生なら知ってんじゃねえか？ええ。敏腕というより剛腕って評判の刑事です。前にあった強霊会の殺しも担当してたはずで。ヤクザをヘとも思ってねえ。気に食わねえデカだ。今聞けることは大体聞けた。わかった。よし。Ah, petit temps de chargement, pardon. Ah oui, puisqu'on revient à Kamurocho, forcément. Yagami, tu vas aller au sauna 5 店. Tu vas vérifier Hamura's alibi. D'accord. Si les alibis sont confirmés, il n'y aura pas de procès. Demain, je vais vous rapporter. Je vais vous rapporter. Alors, de nouvelles informations ont été mises à jour. On va regarder ça. Donc, la victime. Donc, on récupère toutes les informations glanées de la part de Matsugane, d'accord ? Enfin, de la part de Hamura. Deux heures à trois heures du matin, ok. Et on a quoi d'autre ? Ok, on va aller voir, peut-être qu'il y a un témoin qui était à côté du sauna qui pourra corroborer les dires de Hamura, pourquoi pas. Alors, voyons voir ce qu'on peut acheter au Don Quixote. Alors, Don Quixote, c'est un peu le grand bazar hein. Au Japon, il y a vraiment tout, c'est pratiquement sur trois étages, des fois même plus. Alors, Tokness Zi, donc la boisson parfaite pour soigner un petit peu sa santé, on va en prendre. On va en prendre. Parfait. Alors, on peut prendre aussi. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Donc, du whisky, de la bière. Du thé, normalement, ouais. Asahi. Et là on a quoi ? Une potion XL de nouilles sautées au calamar, la sauce qui l'accompagne est à se damner. Ouais, on va en prendre. 6, 8. Voilà, comme ça, si on a besoin de... On a besoin de ça pendant les combats, on peut au moins... ne pas mourir. Alors,
Alors, avant d'aller plus loin, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est d'aller regarder un petit peu les drapeaux verts avant de poursuivre la quête principale. Comme ça, ça nous permettra de voir un petit peu les quêtes secondaires. C'est derrière. Ah, on peut monter par là, ok. Oui, on va voir. Yes! Et on se retrouve où? What? On peut rentrer ici aussi. Vous voyez qu'il y a une porte. Wow! Et là, il y a quoi? Ah! Une quête secondaire. On va essayer. Non, il n'y a rien, c'est pas ici. Ouais, je me suis pas trompé, hein. C'était bien quelque part par là, mais... On va voir si je mets la map. Café, zone de pause, salle de pause, là pareil. Ouais, bah écoutez, on va... Là, il y a quoi, là? Ouais, c'était le café, pardon. Est-ce qu'on peut rentrer? Non. C'est bizarre, je vous l'avoue. C'était peut-être pas par là. On va réessayer. Et cette fois-ci, on va monter les marches. Pour voir, il y aura peut-être quelque chose. Ah, ici à l'étage, il y a quelque chose, j'ai l'impression. Oula. D'accord, on peut pas rentrer ici. Mais on peut aller ici, à quoi là? Il n'y a rien. Et là? Ok, donc c'est un bar à hôtesse. C'est un bar à hôtesse. Ouais, pas possibilité. Je sais que sur la version européenne de l'ancien Yakuza, je crois que c'est Yakuza 6, ils avaient censuré ce mini-jeu là. Alors, est-ce que c'est le cas sur celui-ci? Je ne sais pas. Bon, bah écoutez, pour l'instant, je ne peux rien faire. On poursuit notre quête principale. Et on verra ça au fur et à mesure. Je suis certain qu'il y aura un moment où nous obligerons à faire une quête secondaire. Pardon. Allez, un petit peu de fight, ça nous a manqué. C'est vrai. Oula, putain, je m'étais décalé, hein. Vous avez vu, hein. Et si je prends ça... Ok, donc on est reparti. Il y a le club Sega, hein, si vous souhaitez jouer. Oh, il y a du Virtua Fighter là. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur les bornes? Il y a du Fighting Verse. Non, Fighting Viper. Ouais, Fighting Viper. Fantasy Zone. Il y a du Virtua Fighter 2. Pas mal. Et je pense que...
Et il y a du Final... Et du Virtua Fighter... Final Showdown. Virtua Fighter 5. D'accord. Donc il y a du Virtua Fighter 2 et du Virtua Fighter 5. Allez, on y va, on continue. Ok. Ah, il me court après là ? Non, les mecs ! Alors, amélioration des aptitudes, je pense qu'on l'a déjà lu. Et nous, on doit rentrer où là ? On va aller ici. On va essayer de lui parler à lui. Domo, sauna no hito desu ka ? Hey, irashai, dozo. Ya, kyaku ja nai desu kedo, sukoshi hanasemasu. Hon ? Nani ? この間ヤクザが殺された事件のことで死体の目が抜かれていたってやつああ刑事が聞き込みに来たよ事件の時犯人がうちに来てなかったかってあんた何記者かなんかまあ似たようなもんですそれで松金組の若頭で羽村って言います事件の日彼こちらに来てませんでした警察にも言ったんだけどねあの夜受付は俺がやってたんだよまあでもどんな客が来たかなんて覚えてないねAlors là, il y a possibilité durant les cinématiques hein, de poursuivre. Donc je vois si ce vieil homme, c'était souvent du visage Amora, il aurait eu un alibi. C'était souvenu du village armé, il y a une alibi, d'accord. Les gens de l'arrivée sont beaucoup de gens. Nous sommes là. ハムラの入店さえ確認できればそれがアリバイになる。そうそう、警察もそんな風に言ってたよ。Donc si je peux prouver qu'Amora était là la nuit du crime, le problème est clos. Mais il n'y avait soi-disant aucune preuve tangible soutenant un alibi. 店の中に防犯カメラはないんですか？客の出入りをチェックするように。あるけど。うちは3日で録画消しちゃうんだよ、自動的に。だから警察来た時にはもう消えちゃっててね。そうですか。わかりました。お忙しいところどうも。Alors, on interroge d'autres personnes. Il y aura peut-être quelqu'un qui va pouvoir nous aider. Peut-être dans la ruelle là. あ、少しいいですか。12月3日の夜サウナ御殿に入ってったヤクザって俺のことなんて誰も気にしてないんだから俺だって周りなんか気にしねえよ、うん、D'accord Peut-être elle, l'hôtesse. Né, itsumo koko ni tatten desu yo ne. 12 gatsu 3 ka no yoru, sauna goten ni haitte iku kyaku to ka mite masen? Honto ne. Wakannai. Yada, chou ukeru.
Non, rien du tout. Peut-être lui. Non plus. En haut, c'est fermé. Peut-être non. Peut-être qu'il faut revenir enquêter sur le sauna, d'accord. Ah, peut-être lui. Chotto suimasen. 12月 3日 no yoru. Sauna goten haitte itta tte iu yakuza ga iru ndesu kedo. Nani ka mite tari shinai kana? Kono Hamura tte otoko nan da kedo. Saa, shiranai hito da ne. Kono machi wa yakuza ippai iru kara. Demo 3日 no yoru yakuza tte iu to なんかこの辺でホストが顔を殴られたとか騒いでたな。ヤクザに？ああ、大した怪我じゃなかったみたいだけど、12時とかもう少し遅い時間だったかな。事件の夜、ホストを殴ったヤクザがいた。ただ俺が見た時にはもうヤクザいなくなってたし、ホストも少し騒いですぐ消えちゃった。どう？今の話なんか役に立ちそう？そのホストがどこの誰とかは分からない。分かんない。だってホストってみんな似たような顔してるじゃん。今そいつの顔見ても多分思い出せないかな。他にそのことを知ってる人は？さあね。ありがとう。ご協力どうも。Très bien. Donc on n'a pas réussi à trouver de plus en plus d'informations.Donc se reposer à l'agence des détectives Yagami. Oula, attendez, il y avait quelque chose. Oh, ouais, Kaido-san, mou agatte le tomote ta. Uchi kaette mo neru dake da shi yo. Sakki made soto de nonde da. Nano ni koko de mata nonde no. Ore no sake o. De, nanka shigoto haitte ka? Dorayaki no okage de umaku itta yo. Keiji jiken no shouko atsume.それも殺しの源田事務所でか。最近は民事ばっかやってたろ。刑事は金になんねえって。ただ今回は松金組の山だからね。逮捕されたのは羽村の頭だ。なんだと？事件は例の強霊会のヤクザ殺し。あの目玉えぐられたやつか。なあ、さっき接見に行ってきた。本人は無実だって言ってる。へえ、そうかい。気乗りはしないだろう。弁護すんのが羽村の頭じゃな。あんたを組から追い出した張本人だ。なんなら今回は俺一人でやってもいい。別に俺は頭に追い出されたわけじゃねえ。てめえで下手打っただけだ。気にすんなよ。お前が受けた仕事だ。俺も乗る。そっか。
D'accord, donc se reposer à l'agence, je vais devoir me reposer. Modification de l'heure du jour, d'accord, plus de détails. Vous pouvez changer l'heure du jour dès que vous vous reposez sur le sofa. Vous pouvez choisir le moment suivant, donc jour, soir ou nuit. Toutefois, à certains moments de l'histoire, vous ne pourrez pas changer l'heure, forcément. En mode aventure premium, débloqué une fois l'intrigue principale terminée, vous pouvez changer d'heure comme vous le souhaitez, ou comme vous le voulez. Parfait, parfait. On va voir s'il y a un petit morceau de musique. Alors, tout bon détective doit avoir un tour de disque vintage dans son bureau. Alors, mettez un disque et laissez-vous emporter par des morceaux préférés. La musique continuera de jouer tant que vous n'êtes pas, tant que vous êtes à l'intérieur du bureau. Vous pouvez trouver des nouveaux disques un peu partout dans Kamurocho. Vous devrez acheter des disques, d'accord. Et on va se reposer. もしもし。新谷だ。今中道通りまで来てる。ん？ああ。ミジョーレって喫茶店があるな。そこで待ってる。おいまた急な呼び出しだな。新谷先生。文句言うなや。忙しいのが好きなんだろう。Très bien, mais écoutez, je crois qu'on reprend l'enquête. Donc, rejoindre le Mijore Café. On va garder. Ah, on peut pas regarder la map de là. Mais écoutez, on va s'arrêter ici pour ce deuxième épisode. Merci de l'avoir suivi. N'hésitez pas à commenter, liker et à partager si le contenu vous intéresse. À vous abonner, bien sûr, pour ne pas rater la suite de l'aventure qui s'annonce assez palpitante. Et puis, quant à moi, je vous dis à très vite pour la suite de cette aventure.